Pacha, Yizumbo Pong. Isidon Pong chante hommage à Papa Mbongo. Dark Marcus. Gamela. Qui était donc le patriarche Papatal qui emprunte ainsi ce train voyageur qui ne connaît point de retour pour la communauté Bangou en général et Bakangwe en particulier? Papatal était le dépositaire du savoir, c'était le gardien du temple des connaissances et de la sagesse Bakangwe. Même toi pour bon devant. Même toi pour bon devant. C'était un repère de connaissances, du savoir et des conseils. C'était un guide. En 1911, dans le village Bango, et au quartier Bango, ce papa était né. Papa Tagu Makusu, fils de Matangré et de Manjou, dans le secteur du Bango. Quelques années plus tard, il était grand garçon. Il avait succédé à Papa Sonjoko, grand frère de Matangré. Grand commerçant, grand éleveur, grand boucher, grand amoureux, mari de plusieurs femmes et de beaucoup d'enfants. Les enfants dynamiques. Papata, comme nous l'appelions affectueusement, était cet arbre inflexible sous le feuillage duquel de nombreux fils kangou venaient chercher ombrage et pourquoi pas inspiration. Toutes ces qualités lui auront valu la cooptation par Sa Majesté le roi de Bangou de siéger à la grande cour royale de la chefferie Bangou en qualité de Mbungon. Pas le premier à réaliser quelque chose ici, mais le premier que le dessin a voulu qu'une autorité de grande envergure comme vous puisse venir inaugurer ses œuvres dans la ville de Bangou. Et pour le remercier, pour l'encourager, vous permettrez, monsieur le préfet, et vous savez toujours qu'un évangéliste n'a jamais baptisé quand le prêtre ou le pasteur est là. Et quand un enfant est allé chasser, le premier beau gibier, il le donne à ses parents. J'aurais dû le gratifier, mais il est encore très jeune. Et c'est grâce à ses parents, son père, que voilà, et qu'il a fait ça. Il est toujours à côté pour lui dire « Courage, mon fils, fais ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie. » Et avec ce courage, il a réalisé ce beau bâtiment qui doit servir tout le monde. Et à cela,
Vous avez vu en haut, son nom s'appelle, il a donné le nom de son père. Et le titre honorifique que son père a obtenu dans sa famille maternelle, il a mis à côté. Chez nous, il y a deux catégories de titres honorifiques. Le titre de famille et le titre de la chefferie nationale. Dès que le chef donne un titre, ça devient national dans toutes les chefferies traditionnelles. Et à ce jeune homme, comme son père vit, il a mis dans son bâtiment, sur son bâtiment, le nom de son père, dont il lui fait honneur. Et ce que je pouvais faire à ce jeune homme, il est encore très jeune, il a le temps pour ça, je lui dis à son père, qui s'appelle Ndou Etare. Majesté, c'est notable, c'est papa, c'est maman, c'est promoteur. Vous savez que la bénédiction, la chance vient seulement une seule fois. La chance que vous avez, c'est que le roi lui-même te bénit. Tes parents qui sont là te bénissent. L'autorité administrative qui vient entourer depuis ce contact pour la première fois a inauguré un bâtiment, c'est ton bâtiment. Le prêtre est là, le pasteur est là, il t'accorde les bénédictions. Et tu fais honneur à ton père, comme la Bible le dit. Faites honneur ton père et ta mère. Afin que. Je vois que la chance est là, la bénédiction est là. Grande famille Mbatang, le patriarche Papa Mbengontao était ce père, je dirais ce grand-père conciliant, rassembleur, toujours disponible à écouter les siens et surtout son entourage. Qualité d'ailleurs rare dans notre société de paraître et de la voir aujourd'hui. Chers frères et amis, la famille du Tabou de Bango, vous salue. Vers 1911, dans le village Bango, et au quartier Bango, ce papa est bien. Vous entendez, vous prenez mon gosse,
Grand commerçant, grand éleveur, grand boucher, grand amoureux, mari de plusieurs femmes et de beaucoup d'enfants. Les enfants dynamiques, les petits-fils très aimables. Les arrières petits-fils, et qu'est-ce que j'en sais encore? C'est un papa qui a vu les descendants de la quatrième génération. Nous sommes en train de faire des choses.
sur cette fille, il y a des gars, Madame Deba et fils, je
Lembo Alain Miki Tuwa Anise Massa Shalom Gopio Abankinayo Epape Jotumpia Wanda Yimba Pombe Papa Chuncha Sepe Papa Mba Iwa Kaya Razo Fatize Vandundung Bisi Mbe Fanu Undong Sapa Tuwa Tuwa Jimbe Tuwe Chep Nale Chep Nale Chep Nale Chep Nale Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Chip somebody, chip somebody, chip somebody, chip somebody, chip somebody, chip somebody. Yes.